Bonjour à tous, déco de Pépette, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui achat. J'étais chez Noz, j'ai trouvé des petites choses assez sympathiques. Alors, je vais vous montrer du mieux que je peux. J'ai trouvé un énorme tapis de coupe, vous voyez, très très grand. Hein. Et je ne sais pas comment faire pour vous le montrer tellement il est grand. Il mesure 88 cm de long sur 58 cm de haut et je l'ai payé 14,90 € quoi, 15 €. Mais je sais pas comment faire pour vous montrer ça parce que tellement il est énorme. Voilà, donc je le mets là. Pof, pardon, excusez-moi pour le bruit, il est tombé. Voilà, après j'ai trouvé des petites dentelles comme ceci. Voilà. Je vais essayer de vous en ouvrir un. Je m'excuse pour le bruit. Alors, ça se présente comment? Je ne sais pas où l'équilibre le bout. Ça commence par ici. Voilà, c'est de la petite dentelle. Comme ceci. Je trouve ça très joli. Non. Donc, il y en a... Je ne sais pas combien. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit dessus. Bon, il y en a bien 2 mètres, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. 3 mètres, ah oui. Elle fait 1,6 cm sur 3 mètres de long. Voilà pour cette petite dentelle. Donc, ces petites dentelles-là, je les ai payées 99 centimes. Voilà, je m'excuse, il fait nuit. J'ai allumé la lumière. Parce qu'il fait tellement sombre par chez moi, il pleut, il fait pas beau. Donc, j'en ai pris 3 paquets. Voilà, j'ai trouvé des petites décorations de dentelle comme ceci. Voilà, ça j'ai payé aussi, ça c'est 50 centimes pièce. Il y en a 2 dedans. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Voilà, et j'en ai trouvé 2 comme ça. Il y en aurait eu plus, j'en aurais pris plus, mais j'ai trouvé que ça. Voilà, et c'est 50 centimes pièce. Après, j'ai trouvé des petites dentelles, toujours de cette marque-là, graines créatives. Tout ça, c'est des graines créatives, tout ce que je viens de vous montrer là. Alors, celle-ci, c'est des petites dentelles adhésives. Ruban, ils appellent ça ruban adhésif. Et, alors, celle-ci, elle est couleur olive. Celle-ci, rose. En marron et en violet. Voilà, donc ça c'était 79 centimes pièce et vous en avez 2,5 m dedans. Voilà pour ça. Après, j'ai trouvé un joli ruban comme ça avec des papillons comme ceci. C'est sur du lin avec des jolis petits papillons. Voilà. Et là, vous en avez 2 mètres. Et là, par contre, le prix, je ne sais plus. Je ne sais plus combien que c'était. Ici, parce qu'il n'y a pas le prix dessus, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Cela. Et j'ai trouvé un rose, comme ça, du satin rose pour bébé. J'aurais bien voulu trouver en bleu, mais je n'en ai pas trouvé. Voilà, en satin. Et ce sont des petits pieds. Très joli aussi. Ah, ça mesure... ça fait 4 cm sur 2 mètres. Pareil. Très joli. Et pareil, le prix, je ne peux pas vous dire. Parce que j'ai bien le ticket de caisse là. Mais retrouver ça, je ne vous dis même pas là-dedans. 99 centimes peut-être. Parce que là, je vois... Bon, c'est pas grave, hein, vous allez me dire. Voilà, après, voilà pour les petites dentelles et les rubans. Après, j'ai trouvé un kit comme ça pour faire des boutons. Il y a tout ce qu'il faut pour faire les boutons. Vous voyez, derrière, ils expliquent. Là, on a la notice. Voilà. Et on fait des petits boutons. Et dedans, il y a trois petits morceaux de tissu. Voilà, alors les petits morceaux de tissu, ils font
15 sur 20 cm, c'est écrit là, 15 sur 20 cm. Vous avez deux sortes de boutons, deux tailles de boutons, de 2,2 cm et de 2,8 cm. Vous en avez 6 de chaque et vous avez les petits appareils là pour faire les petits boutons. Et ça, j'ai payé ça 1,50 €. Voilà. Après, j'ai trouvé des petites choses comme ça. Alors, au départ, je croyais que c'était pour coller sur les ongles. Vous savez, bon, moi, avec les ongles que j'ai, je peux me mettre ça. Mais non, 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 c'est pas du tout. C'est des mini cannes sont pour les bijoux, la carterie, la pâte polymère et remplir les petites fioles. Vous voyez, c'est... Au départ, je pensais que c'était pour coller sur les ongles. Alors moi, j'en ai déjà acheté des petites choses comme ça qu'on colle sur les ongles. Mais moi, je m'en sers pour le scrap. Et là, non, non, c'est pas du tout pour les ongles. C'est bien des petites choses. C'est en pâte polymère. Et je vous dis, on met ça sur la carterie, la fimo, les petites fioles. Sur tout ce, on peut coller ça sur tout ce qu'on veut. Alors là, vous avez des petites étoiles, des petits rubans, des petites fleurs. Vous savez, ça se présente dans un petit carrousel comme ceci. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière et tout, c'est pas évident. Je vous dis, il y a plusieurs petites choses dedans. Voilà, alors ça c'était 50 centimes, toujours de la même marque, Crème Créative. Voilà, je m'excuse pour le bruit. Alors, ceux-ci sont très très jolis, ceux-là ils sont en métal. Il y a des petites couronnes. Des petites, une petite licorne, un flocon de neige, papillon, un petit nœud, une étoile, une petite fleur. Ils sont magnifiques ceux-là. Vous voyez, derrière, c'est écrit pour pâte polymère. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez. Et là, c'est pareil, c'est écrit. Peut-être sur ceux-là, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Et ça, c'est ceux-là en métal. Il coûtait un peu plus cher, c'était 1,50 €. Je m'excuse, vous avez le reflet de la lumière en plus. J'en ai trouvé, alors cela, il y a 9 petits modèles et c'est des glaces. Voilà, c'est des petites glaces, des petits micos. Voilà, et ceux-là, ils sont très très jolis. Ce sont 9 petits modèles, mais en fleurs, des petites fleurs. Des petites roses. Voilà. Et ceux-là, c'est 79 centimes. Il n'y a que ceux en métal qu'ils étaient à 1,50 €. Je vais enlever un petit peu tout ça parce que sinon, on n'aura plus de place. Après, j'ai trouvé, bon, bah, c'est pas très intéressant, vous allez me dire, du tiro. Moi, j'appelle ça du tiro, mais normalement, ça s'appelle comme ça. Mais sinon, c'est du scotch masquage pour 98 centimes. Je m'en sers, moi, pour faire des fois les albums et tout ça. J'ai trouvé du comme ça, la mousse 3D, l'adhésif double face en mousse 3D. Il y en a 2 mètres dedans. Par contre, là, je ne peux pas vous dire parce que il y a juste le prix, mais c'est pas écrit. Hein. Peut-être que si. Il fait 2,5 sur 50 mètres. Voilà. C'est 2,5 sur 50 mètres, celui-là. Voilà. Donc ça, c'était 99 centimes. Voilà. Donc j'ai pris du comme ça et celui-là en blanc. Et pareil, 99 centimes pour ceci. Voilà. J'ai trouvé un petit tampon à superposer, superposable, hein. Comme ça, là. C'est un petit chat. Alors, il y en a deux dedans. Vous avez un petit chat. Et un cœur à faire. Et puis vous avez trois petits pattes d'encre. Alors au départ il était à 3,50 €. Vous voyez, 3,50 €. Et donc il est à la caisse, il a passé pour 1,40 €. Vous voyez, si je vous enlève ça, peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, c'est un petit chat avec un. Après, il y a un cœur et puis il faut les superposer. Voilà. Voilà pour ça.
avec les petits pas dedans. Après, toujours dans la marque Graines Créatives, j'ai trouvé du plastique dingue. Voilà. Donc, pour 1,99€. Alors, j'en ai ouvert un paquet pour voir ce que c'était exactement. Alors, c'est le petit chaperon rouge, si vous voyez. Mais moi, je ne ferai pas petit chaperon rouge. Hein. C'est pas grave, je garderai plus tard les petites choses pour ma petite fille. Mais moi, je vais me servir des... Alors, dedans, vous avez de la chaîne avec des petits anneaux parce que c'est pour faire un petit collier. Vous voyez, vous avez la chaîne et puis vous... Comment vous faites un petit collier du petit chaperon rouge. Voilà. Dedans, vous avez donc la feuille comme ça. Vous avez le petit chaperon rouge. Et vous avez le loup. Et son... Voilà. Et dedans, vous avez donc les trois feuilles en A5 de plastique dingue. Plus la notice pour... comment faut faire pour faire ça. Voilà. Donc, ceci. Donc, j'en ai pris deux paquets pour 1,99€. Voilà. On range tout ça. Hop. J'ai trouvé une die. C'est pour faire une carte ou autre chose. Hein. Et c'est tous les chiffres. Les chiffres, voilà, comme ça. Et la die, là, je l'ai payé 5,99€. Vous voyez derrière, vous voyez mieux, ça représente ceci. Voilà. J'ai trouvé des serviettes en papier. Ce modèle-là. Alors, vous avez des petits patins, des lanternes, une petite maison. Et oui, c'est ça. Voilà. Et ça, j'ai payé ça 98 centimes. J'ai trouvé le Père Noël. J'ai trouvé qu'il était magnifique, le Père Noël. Il était très joli. Il était bien représenté. Voilà. Pareil, hein, 98 centimes. Et il y a 20 pièces. Il y en a 20. Les serviettes dedans, il y en a 20. Et dans celui-là... Bah, c'est pareil. Il y a 20 serviettes par paquet. Et j'ai trouvé ce modèle-là. Celui-là, j'aime beaucoup. Avec la petite fille. Comme ça. L'enveloppe. Et les petits anges. Et là, c'est simplement de l'écriture. Voilà. Et 98 centimes aussi. Et je vous dis, il y en a 20 dedans. Voilà pour ça. Voilà pour mes petits achats. Vous voyez, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai même pas été à Action parce qu'à Action, il n'y a rien. Rien du tout. Alors, je n'ai même pas été à Action. J'ai juste été à Noz. Et puis, à côté de Noz, on a une petite boutique qui vendait avant des loisirs créatifs. Mais elle n'a pratiquement plus rien. Et maintenant, elle vend beaucoup, beaucoup de... Plutôt pour la couture, mercerie. Elle arrête le scrap. Tout ce qui est scrap, vous voyez, toutes ces choses-là, il n'y a pratiquement plus rien. Et je vous dis, maintenant, on a fait rentrer des machines à coudre, des surjeteuses, plein de tissus. Elle m'a dit que ça marchait mieux la couture que le scrapbooking. Elle m'a dit, oh, le scrapbooking, ça arrive à la fin. Et moi, je ne vends pratiquement plus rien. Alors, elle a dit, par contre, j'ai beaucoup de demandes de couture. Alors, elle a dit, je bazarde ce que j'ai. Elle avait pratiquement plus rien. Et je fais rentrer plutôt de la mercerie, de la laine, tout ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai rien d'autre à vous dire. À part si j'ai commencé à faire des classeurs, justement, pour ranger toutes mes dailles que je vous montre. Voilà, j'ai fait des classeurs. J'ai pris le modèle de Zabou. Zabou, elle explique très bien. Comment qu'a fait ses classeurs. Vous voyez. Donc j'ai commencé à ranger, à faire parce que j'ai tellement de dailles. Donc en ce moment, je m'amuse
à faire des classeurs pour ranger toutes mes dalles. Voilà. Donc celle que je viens d'acheter là, les chiffres, comme c'est tous de la même collection, vous voyez, bah, elle ira ici. Voilà, tout ça c'est de la même collection. Tout ça là, c'est tout ça vient de chez Noz. Hein. Toutes les deux classeurs que je viens de vous montrer, c'est que des dailles de chez Noz. Hein. Ça vient de chez Noz. Et là j'en ai fait un là qui vient de cela, c'est de chez Action. Mais alors par contre les plaques de aimantées, ben ça aimante pas grand chose. Hein. Tout se démonte. Avant Action, ils vendaient des feuilles magnétiques, ils étaient bien, mais ils n'en font plus dans mon Action. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi, dans mon Action, il n'y en a plus. Alors, j'en ai commandé sur Amazon, mais alors, ça vaut rien du tout. Hein. Et elle se décolle complètement. Alors là, mon mari, il a essayé de me retrouver un autre site pour m'en recommander d'autres, pour voir si c'est mieux. Alors, je les ai reçus ce matin, mais je ne sais plus déjà où c'est que je les ai mis. Grave, je les ai remis comme je suis en train de faire mes classeurs là, j'ai dû les mettre avec mes autres classeurs d'embossage. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc voilà le modèle que j'ai trouvé là pour ranger tous les dailles. Et ben, c'est sur je vous dis sur le modèle de Zabou qui explique très bien comment il faut les faire. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Voilà, tout ça aussi, c'est des dailles de chez Noz. Mais moi j'aime bien ranger mes dailles par marque. Voilà, si moi je fais des classeurs, c'est par exemple tout ce qui est Artemio, ça sera Artemio. Tout ce qui sera comme là, Action, c'est Action. Là, je ne mélange pas mes dailles. Parce que après, si on veut les vendre, et ben les gens ils préfèrent avoir les marques. Alors c'est pour ça j'aime bien les ranger, mais par catégorie et par marque. Voilà, si par exemple, je sais pas si c'est des tampons, vous voyez, j'en ai encore là à faire, et ben je vais ranger tous ces ensemble par marque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire de beau. J'ai rien d'autre à vous dire, à part que j'ai de passer de bonnes fêtes de Noël. Un bon réveillon, un bon Noël à tout le monde, malgré que c'est pas la joie, hein, quand même. C'est pas facile de faire Noël cette année. C'est même un peu difficile. On n'a pas très envie. Moi, je vous avoue que j'ai pas très envie de faire Noël. Je sais pas, c'est pas un Noël comme les autres. Voilà, ben, je vais vous faire de gros bisous. Et puis, je vous dirai plus tard. Hein. Et puis, passez de bonnes fêtes. Faites attention à vous. Allez, au revoir, à plus tard.